ça t'ennuie si je te prends un petit peu de fraise? Annette, t'as déjà café, pistache, chocolat. Ah oui, mais je me disais qu'avec un petit peu de fraise, ce serait peut-être mieux. Vas-y. Merci. Oh ben j'avais raison, c'est meilleur. Mais ça me donne des hallucinations, ce truc-là. Ah ouais? Et quel genre d'hallucination? Mais le type, là, qui vient d'entrer. Regarde, on dirait... Ah oui, t'as raison, il ressemble à quelqu'un que je connais. Mais non, mais... Mais regarde-le bien. Il ressemble vraiment. Mais à qui? Ah, mais non. Ça doit être son frère. Voilà, c'est sûrement son frère. Mais le frère de qui? Salut, les filles. Eh, hey, regardez, y a un type très bizarre qui parle avec les filles. Ah bah surveille-le bien. Si jamais il les ennuie, je lui casse la figure, moi. Eh, si on y allait? Ouais. Salut les filles, ça va? Ah tiens! Salut Jérôme. Comment ça va depuis la dernière fois? On se connaît? Mais Jérôme, mais tu le reconnais pas, c'est Einstein! Arthur! Mais oui, c'est lui! Mais Einstein? C'est vraiment toi? Bah oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? C'est une nouvelle secte? Ah non, les sectes c'est fini. C'est un truc de débile. C'est juste bon à draguer les filles. Hein, François? Je vois vraiment pas pourquoi tu dis ça. Oui, enfin, c'est pas bien grave. J'ai beaucoup changé, vous savez. Salut tout le monde! Bonjour monsieur. Maïsa, ben, tu le reconnais pas? C'est Einstein! T'as vu comme il est beau? Bon, enfin, beau n'est pas vraiment le mot, hein. Toujours sympa. Oui, laisse, c'est pas bien méchant, ouais. Mais alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, Einstein? Oh, je peux m'asseoir parce que c'est une longue histoire, alors... Te gêne pas, surtout. Mais dis-moi, moi je veux savoir. Je suis devenu... millionnaire! T'as gagné au loto? Ah non, le loto c'est un truc de crétin. Non, mon père il y joue toutes les semaines. Et des fois, c'est difficile de prendre une décision. Regardez, cette semaine, j'hésitais entre le 8 et le 9. Et alors? Bah, c'est le 6 qui est sorti. Mais la semaine prochaine, j'aurai le 8. Alors, comment t'es devenu millionnaire? Bon, bah, tu sais, avec mon intelligence, en réalité, ça a été très simple. Et t'es vraiment devenu millionnaire? Bah oui. Oh, pousse-toi un peu, fais-moi une place. Vas-y, raconte-moi ça. Oh bah c'est arrivé très vite, hein. J'adore ta coupe de cheveux. Alors, comment ça s'est passé? Eh bah j'ai inventé un jeu vidéo. Un jeu vidéo? Ah oui, un jeu vidéo. Mais un vrai? Il va être distribué dans le monde entier. Les Japonais m'ont acheté la licence. $1 million! $1 million, mais c'est énorme! Oh mais tais-toi, laisse-le raconter! Comment t'as fait pour inventer ton jeu? Moi j'avais un vieil ordinateur et j'ai toujours été passionné par l'informatique. Donc je me suis mis un jour au travail et puis... Bah en 3 jours, j'avais programmé ce jeu. Et t'as gagné $1 million? Oui, et en plus, il va y avoir les royalties. Oh mais c'est super ça! Alors, t'es à l'abri du besoin? Ah oui, c'est cool pour moi maintenant la vie. Je suis tranquille au moins pour 10 ans. Et puis dans 10 ans, j'en inventerai un autre. Ah bah c'est super tout ça. Bon, vous venez les filles, on y va? Attends. On attend qu'il nous raconte la suite. C'est tellement passionnant. J'ai toujours su que tu étais très intelligent, Arthur. Qu'est-ce qui se passe? Deux heures du matin, c'est quoi ce délire? Ah, Jérôme, t'es là, tant mieux. Ben, François, où veux-tu que je sois à 2h du matin? Ben, je sais pas. Je te dérange pas trop? Non, j'étais juste en train de dormir. Ah ben, Justine? Tu crois vraiment que ça te regarde? Non, t'as raison. Dis-moi, est-ce que tu pourrais me rendre un petit service? Ça peut pas attendre demain? Non, c'est super important. Écoute, François, je suis super fatigué. En plus, j'étais en train de dormir, alors qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu pourrais me prêter ton ordinateur? À 2h du matin? Non, mais t'es sûr que ça va bien, là? Écoute, c'est vraiment très très important. Qu'est-ce que tu vas en faire? Inventer un jeu vidéo. Inventer un jeu vidéo? Oui. T'as l'intention de devenir riche toi aussi?
Mais non, c'est pas pour l'argent. Bah alors c'est pourquoi? Tu as vu comment étaient les filles aujourd'hui avec Arthur? Jérôme, elles étaient comme des mouches autour d'un pot de confiture. Moi, je te le dis, et je m'y connais. Alors je me suis dit que c'était trop bête, que si lui, il y arrivait, eh ben, je pouvais y arriver moi aussi. Mais qu'est-ce que tu fais? Rien, continue sans moi, je me recouche. Non mais attends, Jérôme, c'est hyper important ce que je te dis. Donc attends, suis bien mon raisonnement. Si j'invente un jeu vidéo, tu imagines la tête d'Hélène? Mais elle sera comme anéantie par mon intelligence. Et puis en plus, je serai millionnaire. Mais comme j'aurais fait le jeu sur ton ordinateur, je te donnerai 10%. Sur $1 million, ça fera quand même pas loin de 500 000 francs. C'est pas mal, non? Alors tu vois, ça pouvait vraiment pas attendre. Bon, c'est bien mon ordinateur que tu veux? Oui. Voilà. Mais c'est Rome. Bon, et ben voilà, hop. Je te le prête jusqu'à demain, tu me le ramèneras. Enfin, Jérôme, en fait, tu n'y penses pas, enfin. Non, écoute, je peux quand même pas transporter ce bijou, l'objet qui me permettra de conquérir Hélène, sur mon vélo. Non, c'est vraiment pas prudent. Et tu sais, en plus, mon frère, ça va le réveiller comme on dort dans la même chambre. Non, vraiment, ne t'inquiète pas, je vais travailler ici. Fais ce que tu veux, mais alors surtout, fais-le sans bruit. Allez, bonne nuit. Encore. Enfin, écoute, Jérôme, tu sais très bien que c'est mauvais pour les yeux de regarder un écran dans le noir. Ah ouais, d'accord. Bon, moi, j'ai compris. Tu m'offres une glace? Mais oui! Tout ce que tu veux, mon amour. Ah, mais c'est trop bête. Je n'ai que des chèques et c'est que... Régler une glace par chèque, Bon, bah c'est pas grave, ça je peux me le payer. Mais après on ira faire du shopping, ok? Ouais, mais aujourd'hui j'ai rendez-vous avec mes avocats. Et demain, je t'emmènerai t'acheter tout ce que tu veux, mais pour que tu sois la plus belle. J'ai toujours aimé les garçons intelligents. Oh. Oh non mais, c'est pas vrai, mais... Oh mais regarde cette manche, Stom! Vraiment? T'as raison, rien ne l'arrête. Arthur, il est à moi, je l'ai vu en premier. T'inquiète pas, elle s'intéresse qu'à son argent. L'embêtant, c'est que moi, je l'ai intéressé au moment où il faisait de l'écologie et du fromage de chèvre. C'est vraiment trop bête. Salut Arthur, ça va? Ah, salut les filles. Oh, Arthur. Bon, vous m'excusez, on se voit plus tard parce que là, je suis occupé. Hein. Ouais, je vois, on dérange. C'est pas vrai, mais regarde comment elle le dévore! C'est vraiment dégoûtant. Oh là là, moi à l'époque, il sentait la chèvre. En fait, il vient pas, Jérôme? Oh bah, tu sais bien qu'on les intéresse plus, ces messieurs. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ça, pour nous laisser tomber, ils nous laissent tomber. T'as vu la tête qu'ils avaient ce matin? Oh là là, on aurait dit deux épaves, deux épaves. Mais t'y crois, toi, à cette histoire de fabrication de jeux vidéo toute la nuit? Bah, vu la tête qu'ils avaient, qu'est-ce que tu veux qu'ils aient fait d'autre? Je sais pas, moi, mais... Peut-être que... Annette! Tu crois que... Jérôme, c'est possible. Enfin, je dis pas ça pour t'embêter, hein. Enfin, François, non. Donc, comme ils avaient la même tête, ils étaient ensemble, donc c'est vrai. Ouais. J'espère. Bon, on y va. Et où ça? Chez Jérôme. On va voir si c'est vraiment ces jeux vidéo qui les intéressent autant. Roger, tu dois appeler la police. Mais Marie, j'ai déjà appelé la police. Alors rappelle-la. Mais je l'ai déjà rappelé. Ils m'ont dit qu'ils nous préviendraient s'ils apprenaient quelque chose. Mais tu as vu l'heure? Écoute, Marie, ça sert à rien de s'affoler.
il n'y a plus de gâteau. Faut dire aussi que t'en as consommé pas mal, hein. Oh, c'est le dernier. Et pleure pas, Marie, je t'en rachèterai. C'est pas pour les gâteaux que je pleure. Mais tu te rends compte, notre petite fille qui n'est pas encore rentrée. Oh, s'il lui arrive quelque chose. Oh, Roger. Ah, Marie, je sais, je sais. Appelle la police. Non, mais Marie, je peux pas. Ça fait 20 fois que je les appelle en une heure. Je vais finir en prison si ça continue. Ils vont croire que je me moque d'eux. Bon, tant pis, je préfère que t'ailles en prison. C'est notre petite fille. Bah ouais, mais... Appelle la police. C'est sûrement la police. Allô, oui? Ah, oui. Bonsoir, Madame Lampion. C'est la mère d'Annette. Ah bon? Annette n'est pas rentrée? Ah, bah, ça me soulage. Non, non, enfin, je veux dire que Justine n'est pas là non plus. Oui, comme Annette. Bah non, on ne l'a pas revue depuis la sortie du lycée. Oui, bien sûr, on a téléphoné chez Jérôme, mais ça répond pas. Oui, chez François aussi, mais il n'était pas là, il devait dormir chez un copain. Oui. La police ne vous a rien dit non plus? Oui, bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'elle dit? Ben, Annette aussi a disparu. Oui, ben, on fait comme vous, on attend, hein. Et on s'y est au courant. Bonsoir, Madame Lampion. Bon. Hé, elles sont sûrement ensemble. Puis, à deux... C'est pas possible. Appelle la police. Mais Marie, si elles sont ensemble, elles courent moins de risques que... Mais enfin, mais Roger, t'as entendu parler de toutes ces histoires de satire? Oh, Roger, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, je sais pas. On a appelé partout. Il n'y a plus qu'à attendre. Ouais. Non. Comment non? Non, je peux plus attendre. Je vais prendre la voiture et faire un tour en ville. On sait jamais. Je viens avec toi. Ah non, 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 non. Tu restes ici pour le téléphone. Ah oui, tu as raison. Bon, allez, Marie, t'inquiète pas. Je vais la retrouver. Puis de toute façon, je te ramène des gâteaux. Qu'est-ce que je dis, moi? Excuse-moi, c'est les nerfs. Oh, c'est énervant, ce téléphone qui sonne tout le temps. Mais enfin bon, on a décidé de pas le décrocher. Ah, Jérôme, je crois qu'il faudrait accélérer un petit peu la vitesse à cet endroit. Tu crois? Mais pas trop, faut qu'on puisse jouer quand même. Comment vous trouvez l'héroïne? Elle est quand même assez belle, non? On dirait un peu Hélène. Excuse-moi, mais pour une femme qui doit surmonter toutes ses embûches, eh ben elle fait pas le point. Je vais lui rajouter un petit quelque chose. Ah, pas mal! Jérôme, on a dit qu'elle n'était pas assez costaud, pas qu'elle avait pas assez de poitrine. Oh, moi j'ai trouvé beaucoup plus sexy comme ça. Ouais, moi je dirais beaucoup plus vulgaire. Non mais dis donc, je t'interdis d'insulter Hélène. Ah ben dis donc, ça fait du bien quand ça s'arrête, hein, ce truc-là. Bon. Qu'est-ce qu'on rajoute là? Un vaisseau spatial ou une moto? Mais pourquoi faire? Hé, Annette, je te rappelle que le jeu se déroule sur l'eau. Ben, et alors? On peut très bien le refaire sur une route. On peut changer, c'est facile, regarde. Et voilà. Ah mais non! Non, non, si ça se passe sur une route, Hélène ne peut plus être en maillot de bain. Et alors? Quelle importance! Et ça, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est super ça, Jérôme. Ça me va être bien une petite récompense, non? Bon, bah, je crois que je vais prendre la souris. Si on se fait une petite pause. Ouais. Mais François, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, mais pourquoi tu lui mets de la barbe? T'as pas le droit de toucher à Rock. Mais, Jérôme, mais ton réveil est à l'heure? Ben oui, même si de temps en temps je fais croire au prof que non. Non, mais vous avez vu, il est 4 heures du matin. C'est pas possible! Roger, Marie! Téléphone, vite! Non, arrête, Justine! Imagine que tes parents dorment! On rentre, ni vu ni connu! Bon, bah, on y va tout de suite alors! Attends! À 4 sur une moto! Mais non, mais François a son vélo! Et moi sur le porte-bagages, comme d'habitude! Oh, écoute, Annette, si tu préfères rentrer à pied! Mais non, mais c'est pas ça, mais alors ton vélo! Ouais! Arrêtez de vous disputer! C'est vraiment pas le moment, et puis je crois que nos parents vont s'en charger! Tellement peur, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, c'est bien toi. Oh, Juju, t'es vivante.
Marie, je suis désolée, mais j'étais chez Jérôme et... Tu étais chez Jérôme? Oui, fait, bon, il y avait Annette, il y avait François et... Enfin, mais on a téléphoné au moins 10 fois chez Jérôme. Ah, le téléphone... Ah oui, mais on était très absorbés, alors... Oh, je suis désolée, vous avez dû vous faire du souci. Où est Roger? Ben, il a pris la voiture, il a dû faire le tour de ville. Madame Girard, je suis vraiment désolée, mais on travaillait sur un jeu vidéo et... Sur un jeu vidéo? Bonsoir, Madame Girard. Annette, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'ai oublié mes clés dans ton blouson. Je les avais mis là pour pas les perdre. Annette, tes parents sont fous d'inquiétude, ils ont appelé partout, alors je te conseille de les rappeler tout de suite. Non, non, je vais pas les réveiller pour si peu. Mais tu es folle. Tu penses que tes parents dorment alors que leur fille n'est pas rentrée à 4 heures du matin? Vous croyez? Moi, j'avais prévu que la nuit serait longue, alors je leur ai dit que je dormais chez un copain. Hélène n'est pas là. François, tu crois vraiment que c'est le moment? Et en plus, Hélène, pff, elle habite plus ici. Qu'est-ce que... Justine? Roger, excuse-moi, mais j'avais pas vu l'heure. Excuse-moi, mais j'ai pas vu l'heure. Non, mais je rêve. C'est tout ce que tu trouves à me dire. Ta mère a bien pris 10 kilos, peut-être même 20, et toi tu me dis, excuse-moi, mais j'ai pas vu l'heure. Roger... Au cas où ça t'intéresserait, il est 4 heures du matin. 4h15. Je peux savoir où t'étais? Chez Jérôme. Oui, mais enfin, il y avait tout le monde. Enfin, je veux dire, on était tous ensemble avec... Oui, vous aussi, bien sûr, vous n'avez pas vu l'heure. Excusez-moi, monsieur Girard, mais je peux peut-être vous expliquer. Voilà, c'est très simple, vous allez tout de suite comprendre. Mais en fait, c'est tellement bête que ça va peut-être vous faire rire. Ah oui. On travaillait sur un jeu vidéo. Hein? Vous jouez encore à votre âge? Mais non, on ne jouait pas, monsieur Girard. On inventait. Alors, tu as rassuré tes parents, Annette? Oui, oui. Comment ça s'est passé? Oh là là, j'avais l'impression d'être en stéréo avec ici. Enfin bon, ils sont tellement contents que je sois vivante, ils sont d'accord pour que je dorme ici. Et qui vous a donné l'idée d'inventer un jeu vidéo? C'est un copain à nous. Il en a inventé un et les Japonais le lui ont acheté $1 million. $1 million? Oui, plus la royalty. Mais c'est compliqué à inventer, ce truc-là? C'est enfantin. Tenez, j'ai ici le logiciel. Je l'ai toujours sur moi. Où est votre ordinateur? Je vais vous montrer. Bon, et maintenant? Eh oui, je fais ça. Mais non, si tu fais ça, ça va encore bugger. Tu l'as déjà fait tout à l'heure. Mais Madame Girard a raison. Oui, ben vous, ça suffit. Dès que ma femme dit quelque chose, elle a raison. Marie, si on allait se coucher. C'est vrai ça, on a sommeil. Non mais attendez les filles, on va pas arrêter si près du but. Oh. Oh non. Et voilà, c'est encore raté. Mon pauvre monsieur Girard. Enfin, on va peut-être pouvoir aller se coucher. Mais non, il n'en est pas question, on va pas se laisser faire par cette machine, rallume-la. Mmh. On va trouver, il n'y a pas de raison, on va trouver. Et si on faisait F2X? F2X? Pour François, vous rêvez. Non, mais c'est vrai, tu rêves, François. Écoute plutôt monsieur Girard. Il est tellement intelligent. Ça y est, j'ai trouvé. Il faut faire F2VX. Mais non, ça va encore bugger, ça marchera jamais. C'est... Non, et puis à chaque fois que vous ratez, Rock, il est moins beau. Ben moi, je vous dis que c'est ça, regardez. Ah oui, la madame Girard a raison. C'est madame. Écoute, Justine. Bah, vas-y, essaye. Hey, tu vois, j'avais raison. Absolument, monsieur Girard. Moi aussi, j'avais raison, d'ailleurs. Vous avez vu l'heure qu'il est? 7h du matin. Bon, bah, on n'a plus qu'à aller prendre une douche et aller au lycée. Ah, moi, en tout cas, c'est une des premières fois où je passe une nuit blanche. Ah, moi aussi. C'est une histoire de fou, ce jeu vidéo. J'ai cru que les cours ne finiraient jamais. Bah, je sais pas ce que vous faites, mais... Moi, je vais me coucher et je dors jusqu'à demain. Oh, horrible. Et si on allait manger une petite glace comme tous les jours? Annette, mais comment tu fais? Bah... Je sais pas, je suis en forme, moi.
C'est peut-être parce que c'est la première fois que je passe une nuit avec Monsieur Girard. Ah bah vous en faites tous des têtes. Ah oui, on n'a pas beaucoup dormi. On n'a même pas dormi du tout. Oh oui, mais c'était tellement beau. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Oh bah, ouais, rien, une petite fête. Ouais, avec Monsieur Girard. Vous faites des fêtes avec les vieux maintenant? Monsieur Girard, il est pas vieux. Il est mûr. C'est pas pareil. La pauvre Annette. Bon bah, il faut que j'y aille. Arthur doit m'attendre à la cafette. Il m'a promis de m'emmener faire du shopping. Il veut que ses dollars fassent de moi la plus belle fille du lycée. Ah bah, il en aura jamais assez. La jalousie ne m'a jamais atteinte. Salut. Oh, oh bah, j'étais trop fatiguée. Pour me rendre compte que j'étais fatiguée. Oh. Voilà, maintenant. Oh, ça y est, je suis fatiguée. Bon. Oh, oh bah ça s'entend. Eh ben moi j'y vais. Allez, à demain. Bonsoir tout le monde. C'est toi Juju? Oh bah oui. Ça y est Juju, j'ai réussi. Hein? Eh oui, j'ai réussi il y a à peine 5 minutes. J'ai essayé d'appeler ta mère mais elle était en réunion. J'ai réussi. Attends Roger, tu veux dire que... t'es depuis ce matin devant l'ordinateur? Oui, alors tu sais, je suis pas du genre à abandonner quand j'ai commencé quelque chose, hein. Bon, alors, tu comprends que pour hier soir... Mais oui, oui, oui. Allez, viens voir. Et maintenant, regarde. Mais Roger... Alors ? Écoutez, c'est insensé, moi je comprends pas comment il a fait. Ah bah écoute, je sais pas. Mais en tout cas, ça lui a pris la journée. Hein. Mais ça marche vraiment ce jeu ? Ah oui, oui, ça pour marcher, ça marche, oui. De toute façon, moi, je l'ai toujours dit, Monsieur Girard est d'une exceptionnelle intelligence. Oui, alors, ça marche, mais il y a comme un petit problème quand même. Hein. C'est-à-dire, quel petit problème ? Ça ressemble plus tellement à ce qu'on a fait. Ça ressemble plutôt à un match de tennis. Oui, il y a deux raquettes et une balle, et à chaque fois que la raquette touche la balle, ça fait toc. Non mais attends, ça fait 10 ans que ça existe, des jeux comme ça. Oui, je sais, mais tu sais, Roger n'avait jamais vu de jeu vidéo, alors... pour lui, il semble nouveau, quoi. Eh ben voilà, 18 heures de travail anéanti. Et adieu, Hélène. Ah tiens, voilà Isa. Elle a sa tête des mauvais jours. Génial. Isa? Qu'est-ce que vous voulez? Ça va? Ouais, super. Je croyais que tu devais aller faire du shopping avec Einstein hier, mais je vois rien que du vieux sur toi. Einstein, ne parle pas de cet abruti. On peut dire qu'il a abusé de ma naïveté, hein. Isa, toi naïve? Moi, de toute façon, c'est fini. Je l'ai plaqué, ce nul. Et avec une bonne paire de baffes en prime. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il n'a pas inventé quoi que ce soit et qu'il n'a pas un rond. Bah, et son costume et son attaché-case? Ouais, il les avait parce qu'il était figurant dans un film. Mais il a trouvé marrant de nous faire marcher. Bon, allez, salut. Vous avez entendu? Einstein n'a inventé aucun jeu vidéo. Non, mais les copains, vous avez bien entendu? Et alors? Mais la voie est libre. On va pouvoir en inventer un, nous, de jeux vidéo. Bon, qu'est-ce que vous faites cette nuit? Non!